Bonsoir à tous, c'est Blixo, on se retrouve sur Oxygen Not Included. Donc, dans les commentaires, oui, j'ai fait une connerie. Oui. Donc j'ai honteusement inversé l'entrée et la sortie. C'est un détail, ça arrive. Oh, Snow, tu te remets à la peinture. Cool. Une granite, tout ça. S'il vous plaît, ramassez-moi ça. Nos réserves ici sont commencent à être légèrement faibles. Donc on va arranger ça, hein, une petite tuile ici. On creuse ça. Oh. C'était pas censé être ça. Ça, c'était censé être un sol. Bon. Ici, ce sera la réserve. Ici, ce sera la réserve. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas symétrique. C'est pas grave. Je veux plus de réserve parce que c'est vrai qu'ici, on commence à être un petit peu limité en réserve. Et je veux aujourd'hui commencer à gérer ce truc-là. Je veux commencer. Il fait que 31 degrés à l'intérieur. Donc ça va, c'est pas trop chaud. Je pensais que j'allais devoir utiliser les dalles isolées. Mais visiblement, non. Ça devrait aller. Tant mieux. Moi, ça me va. Très clairement, ça me va. Tant mieux. Ce truc commence à produire beaucoup de dioxyde de carbone quand même. Et accessoirement, vous m'avez dit dans les commentaires, le gaz naturel est plus léger que le CO2, mais plus lourd que l'oxygène. Ce qui veut dire que quand ça va être rempli, le gaz naturel va se retrouver ici. Il va falloir que je le filtre et que je le mette dans une zone où j'en ai rien à foutre d'avoir des gaz dangereux. Une petite zone et où je vais dumper tous les gaz que je veux pas. Après, pour le moment, je peux le gérer. Ça va. Pour le moment, c'est pas grave. Je voudrais surtout qu'ils se mettent à construire ça. Donc, pour ce qui est de l'organique, de l'algue, on en a bientôt plus. On en a déjà à nouveau plus. Et on n'a pas de réserve particulière. On n'a pas de réserve particulière, ce qui veut dire qu'on va avoir des problèmes. Je vais commencer par renettoyer ça. Est-ce que j'ai beaucoup de sol de... Oui, j'ai beaucoup de sable. Ça devrait aller. Donc c'est dans transformation, je crois. Épuration, voilà. Donc... Non, c'était pas ça. Stop. Ah oui, c'est vrai, la rotation, c'est haut dans ce jeu. Non, c'est pas ça. Me dites pas qu'on peut pas le faire... On peut pas le faire tourner. Me dites pas qu'on peut pas. Me dites pas qu'on peut pas. Parce que si c'est le cas, il va falloir que je... Bon, ok, pour le moment, vous savez quoi? Je sais plus quels sont les boutons pour faire tourner s'il y en a un. Donc en fait, on va le replacer comme il était. Et démolir ce tuyau. Et ce tuyau... Bon, on va repasser en mode construction de tuyaux. Je vais faire passer ce tuyau ici. Et là. Et tant que j'y suis, je vais démolir les tuyaux liquides ici et là. Pour ensuite pouvoir faire passer ça ici. J'aurais pu faire ça dès le début, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, j'ai lu sable en même temps. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais vous me connaissez, je me complique la vie. Je me complique la vie. Il va nous falloir, du coup, vu qu'on a bientôt plus d'algues, c'est même pas bientôt, on va bien tout de suite plus avoir d'algues. Il faut qu'on trouve une solution. On a de l'algue ici encore, mais elle est sous la terre polluée, donc j'aime pas trop. Je suis tenté d'aller chercher celle-là, mais... C'est dangereux, les fuites, tout ce qui est fuite et autres, j'aime pas trop.
Écoutez, on va descendre, hein, pas le choix, on va descendre. Prendre tout ça. Je vois pas trop d'autres solutions, donc on n'a pas vraiment le choix. Échelle qui descend jusqu'ici. Et on va faire avec. Je crois qu'il y a certains qui peuvent même pas atteindre, mais on va rien dire. En plus, ma réserve d'eau sale sera encore plus grande. Par contre, ce hatch m'énerve parce qu'il est, placé, mais il est pas bien placé. J'ai toujours celui-là dans le pire des cas. J'ai toujours ce hatch. D'ailleurs, je vais creuser par là. Je vais lui faire son petit habitat. Tranquille. Pourquoi est-ce que vous vous mettez... Ok, vous savez quoi, c'est pas grave. Ouais, ici c'est vraiment irrespirable les gars, vous devriez partir. Fuite ? Ah, ils ont dérangé le hatch. C'est pour ça, ils ont dérangé le hatch. Pas de panique, c'est rien. Ils ont juste dérangé le hatch. Aucune recherche... Oui d'ailleurs, dans les commentaires vous m'avez dit, je peux les démolir ? J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin, j'ai toutes les recherches. Donc j'en ai plus besoin. Autant les démolir. Ça me redonne des ressources. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Ça, c'est fait. Hop, j'ai remis pause. Hop là, ah, je me trompe dans toutes mes touches aujourd'hui. Pourquoi j'ai l'impression que mes tuyaux ont des problèmes? Parce qu'ils en ont. Voilà, c'est bon, c'est réglé, y a plus de problème, y a plus de problème. Personne n'a vu qu'il y avait un souci. Y en a pas. Ma douche va enfin fonctionner. Ma douche va enfin fonctionner. Cette eau ici, on commence clairement à en manquer. On va commencer à en manquer, donc il faudrait que j'en récupère. Pour la filtration, je pense que je prendrai l'eau sale qui est ici. Je vais faire un système de refroidissement par eau. Sur les générateurs. Visiblement ça marche bien. Donc on va essayer. On va essayer tout ça. Pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Donc, pour tout ce qui est planification, il va nous falloir des générateurs à gaz naturel. Au moins un. Pourquoi? Ah, vous avez dérangé ce hatch là, c'est normal. Rien de grave. Je vais essayer de mettre une porte ici pour bloquer le hatch. Parce que je sais qu'il y a des portes qui peuvent pas être utilisées par les animaux. Voilà, les créatures ne peuvent pas traverser ces portes. Donc si j'en mets un ici, techniquement... Ah bah ils sont là mes deux hatchs. Qu'est-ce que... T'avais disparu pendant un épisode. Je... Ok. Non mais ok. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ok. Je pensais que s'il pouvait plus en faire un, il passait à la suite. Mais visiblement non. Visiblement non. Donc on va le désactiver et on va mettre... Ça, on continue après ça. Ces plantes produisent pas assez pour le moment, donc on va devoir faire avec. C'est bon, ils ont bloqué ce truc. Est-ce que vous pouvez ramasser ça ou faire la dalle tout de suite en fait? Parce que là, c'est en train de se remplir d'oxygène pollué et j'aime pas l'oxygène pollué. Je devrais faire un sas ici. Ok, priorité. Priorité 8. Celui-là. Et celui-là. C'est pas grave. L'oxygène ici n'est pas vraiment top. Hein. Enfin, on peut le respirer, mais il va nous rendre malade. Pour le moment, c'est réglé.
J'aime pas trop le principe ici, mais cet oxygène ici est un peu pollué. C'est dommage. Mais le purificateur d'air fait son travail. Ah, ça émet de l'argile. Cool. Ça sert à quoi? C'est littéralement ma question. Ça sert à quoi l'argile en fait? Je vais coller plus de batteries. Je peux pas. Ah oui, d'accord. J'ai une plante ici. Rappelons-nous, dans notre colonie, nous respectons les plantes. Hein. On ne peut pas construire par-dessus une plante. Ça leur vient pas en tête de pouvoir tout de suite passer par-dessus la plante, mais c'est pas grave. Ok, il pompe à mort, mais je pense qu'on va avoir des problèmes ici. Je sais pas si ça passe à travers ou pas, ça me fait un peu peur. Je pense pas, mais on sait jamais. Ok, les batteries sont remplies instantanément, quasiment. Ok, c'est bon à savoir. Dégagez-moi ce truc, que je puisse planter ma nouvelle batterie. Voilà, parfait. La masse, tu t'endors toujours au milieu de nulle part. Donc là, niveau batterie, on devrait être bien. Je sais, on n'a toujours pas fait ces trucs qui refroidissent, mais pour le moment, on n'a pas trop de problèmes de température. Ça va. Ça se met bien. Pour le moment, on n'a pas trop de problèmes de température. Et les batteries se remplissent plutôt vite. Ça va. Je vais réduire le seuil d'ailleurs. Il va s'activer une fois qu'on sera à 20%. Ça devrait être largement suffisant. On n'a toujours pas commencé ce truc que je voulais commencer, mais on va le faire. On va le faire. Donc je sais que cette zone va être polluée. Déjà, cette zone va être polluée. C'est un fait. Non, c'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me pardonne. Je veux au moins un générateur ici. Qui va être sur du sol, mais du sol, un sol différent, qui seront des dalles poreuses. Est-ce que c'est grave? En soi, non. Je vais rester comme ça. Je vais créer un mur ici. Non, je vais créer un mur ici. Ceux-là vont disparaître. On annule ça. Je sais pas comment je vais accéder à tout ça. Peut-être que j'en prendrai deux, peut-être que j'en prendrai trois, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais qu'ici je vais avoir une pompe. Je vais avoir une pompe ici et donc il va me falloir des batteries ou autre, peut-être, je ne sais pas. Je sais plus. L'objectif, c'est que tout ça, ce sera rempli d'eau sale. Ici, ce sera de l'eau sale. Ça fait peut-être pas assez de réserve d'ailleurs. Je sais pas. Il va falloir que je purifie cette eau après. Donc, je vais faire une échelle ici et une échelle ici. Ça va me permettre de descendre dans la zone. Ici, je vais mettre un sas. Normalement. Un sas manuel sera largement suffisant. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir une pompe. Si vous n'avez pas compris, l'objectif ici c'est d'avoir une pompe. Cette zone, je m'en fous qu'elle soit remplie de gaz naturel, c'est pas grave. C'est pas grave qu'elle soit remplie de gaz naturel, cette zone. Et je pense que je pourrais blinder cette zone de dioxyde de carbone, une zone au-dessus. C'est possible, ça pourrait être une idée. Je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est assez grand pour de l'eau? Enfin, pour une... Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je pourrais faire ça.
ce bloc là annulé. Et ça, le faire descendre jusqu'ici. Pour pas m'embêter. Tout simplement. Et donc du coup je peux démolir. Non. Pas. Je peux démolir ça. Ah, tout. Ça et annuler ça. Et l'eau, ça elle tombera directement ici. Sauf qu'on va avoir des problèmes de pression, je suis sûr. Donc autant faire un double mur. Ça, je peux le désactiver. Ça sera suffisant. J'en suis sûr, ça va le faire. Donc l'objectif, ça va être de mettre des ponts, une pompe ici avec un système de pression pour qu'il ne pompe que quand il y a une forte pression. Activer, ça va activer le générateur à gaz naturel. Ce générateur à gaz naturel va envoyer toute l'eau glisser ici et tomber dans le réservoir. Le purificateur, l'eau, on va utiliser de l'eau pure pour purifier l'air qu'on va refaire tomber ici pour refroidir le générateur qui va retomber ici. Ensuite, cette eau ici. Pourquoi il ne veut pas le faire? Cette eau qui est ici, on va pouvoir la pomper et l'envoyer dans notre réserve d'eau ici. Par le... par ce truc. C'est moi où ça produit de l'eau, de l'air sale ici. J'avais pas prévu que ça produirait de l'air sale, enfin de l'air toxique. J'avais pas du tout prévu ça, mais c'est pas grave. Notre purificateur d'air va s'en occuper ici. Il est sur le chemin, il va l'aspirer direct. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qui produit ça en fait? C'est de l'argile? Qu'est-ce qu'il produit? Peut-être que je vais avoir besoin d'un deuxième compost, je ne sais pas. Non, visiblement, c'est juste le purificateur qui émet de... Attendez. Dès qu'il fonctionne, il faut que je... Il faut que j'arrive à mettre pause dès qu'il fonctionne. Mais arrête de... Il saute toutes les deux secondes, ok. Ah non, voilà, je produis de la terre polluée. Ok, je produis de la terre polluée. La terre polluée, comment est-ce qu'on peut la gérer? La terre polluée. Je crois que la terre polluée, c'est là-dedans. Transforme terre polluée en fertilisant. Donc oui, donc je vais en avoir besoin un peu plus. Un deuxième compost, ce sera parfait. Un deuxième compost, ce sera parfait, je pense. Juste pour pouvoir gérer ce truc-là. Je ne veux pas de nouvelles personnes. On ne peut toujours pas prendre quelqu'un. Les réserves sont bientôt pleines. Malheureusement. C'est un peu habituel, ça. Là, on devrait être tranquille. Tout ça devrait être tranquille. Tout ça devrait être bon. Bien sûr, je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais. Vous vous en souvenez, hein. Le truc, c'est que ça va être inaccessible assez vite. Ce truc va être inaccessible assez vite, je pense. Aussi, la température risque d'être un problème, visiblement. Donc il va falloir... Ça, il faut que j'y pense. Ce truc-là, on va le désactiver. Et je vais, pour une fois, utiliser quelque chose que je pensais pas utiliser. Ok. Bon, bah, je peux faire que en minerai de cuir. Bon, j'ai rien dit. Je pensais que j'allais pouvoir utiliser autre chose comme... Ah d'accord, c'est de la...
L'amalgame d'or en fait a une meilleure résistance à la température, il me semble. Donc ça aurait été utile d'en avoir. Ça aurait été utile d'en avoir. Lui produit de la vase. Franchement, les puffs, ça peut être utile. Ça peut être utile. Et avec des puffs, on peut produire de l'eau, je crois. Enfin, avec différentes usines. Donc je le garde en réserve. Je le garde en réserve, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de proche de lui. Parce que si je peux récupérer cette, si je peux récupérer cette vase, je vais pouvoir l'utiliser. Bon, il est à 31 degrés, ça va, c'est pas trop chaud. Ça se tient. Il va me falloir une pompe à gaz que je vais mettre juste ici. Qui devra pas fonctionner pour le moment puisque actuellement le geyser produit du gaz naturel. Mais au dessus j'ai de l'oxygène pollué. Si j'envoie de l'oxygène pollué là dedans, je le pète. Enfin je crois, normalement c'est ça. Normalement c'est comme ça que ça marche. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut pas casser ce générateur. Ok, donc il va me falloir un interrupteur à pression. Un interrupteur à pression, je sais que j'en ai. Atmo interrupteur, voilà. Et passer le câble. Ici, dans l'atmo interrupteur. Ici. Ici. Et sur le réseau. Qui sera ici, normalement. Ce truc va ressortir tellement d'énergie qu'il va falloir que je le mette dans des câbles à forte puissance. Ah, je peux pas faire passer les câbles à forte puissance dans les... Ok, stop! Stop! Démolir les fils. Ok, annuler les fils peut-être. Parce que je crois qu'il est en train d'en construire en fait. Voilà. C'est bon, donc ils sont en train de faire ce générateur. Parfait. Or, je peux pas le miner ça. Ah si, c'est juste que je l'avais annulé. C'est long. Oh, j'ai récupéré plein de vases. Ah non, c'est de l'argile. C'est pareil. Non, j'ai récupéré de la vase aussi. Et ce truc va produire de l'oxygène en continu. Donc, ce truc va produire du gaz. Du gaz en continu. En out. Donc. Ici, ce serait une sortie de gaz dans une pièce qui serait uniquement dédiée au CO2. Pour la purification des gaz, tout ça. Le but c'est qu'il fonctionne le moins possible. La masse, c'était peut-être pas une bonne idée de t'endormir dans une zone toxique. Je dis ça juste comme ça. Bon. Pour le moment, on est en train de faire les choses comme il faut. À peu près. Je vais pouvoir passer. Construire les dalles ici. Ça, c'était pas une super idée. C'est pas grave. Je ferai un sas manuel ici. Toujours pas de nouveaux colons. Toujours pas. Pour le moment, on reste à 4. Je pourrais passer à 5 bientôt, mais pas encore. Puisque, niveau organique, on est très bas en algues. Très bas en algues. Ah, je peux pas tous les sélectionner d'un coup? Dommage. On va faire ça vite fait. Ça se fait tranquillement.
On n'est pas pressé. Voilà. Donc ici c'est rempli de gaz naturel. Dommage. Pas très grave. Pas très grave. Ici je voudrais qu'on y descende. Du coup, comment je vais faire pour faire passer ce câble? Parce que du coup, c'est un câble à forte tension qu'il va me falloir. Il y a 800 watts qui sortent là-dedans. Il faut que j'utilise un câble à haute tension. Quoique. Écoutez, on va essayer. Si ça casse, je changerai la technique. Si ça casse, je changerai la technique, tout simplement. C'est moi où ils vont essayer de me stocker la vase là-dedans. J'en suis quasiment sûr. Donc je vais mettre des portes. Hein ? On va mettre des portes. Histoire de ne pas se retrouver avec des gaz pollués dans la base ici. Et je vais mettre une dalle ici et une dalle poreuse juste là. Parfait. C'est juste pour... c'est de la sécurité. C'est juste pour éviter de se retrouver avec des gaz complètement pourris ici. Ça doit être horriblement moche. Oui, c'est moche ici. Visiblement, c'est très moche. Mais on va devoir faire avec. On va devoir faire avec. Niveau décor, je pourrais faire une autre sculpture en... granit. Je m'en sers pour rien, le granit. Donc, enterré. Qu'est-ce qui se passe? Snow. Erst, démolisse mur. Démolisse mur. Priorité. Démolisse mur, Snow est en train de suffoquer là. Elle est vivante, c'est déjà ça. Ah, ils sont doués. Hein. Ah, ils sont vraiment doués. Hein. Ah, on a que les meilleurs des meilleurs ici. Snow, est-ce que t'es obligé de rester ici? Je crois qu'elle est bloquée. Production d'oxygène insuffisante, ça y est. Le problème a commencé. Oui, je crois qu'elle est bloquée. Je crois qu'elle est bloquée. Ouais, elle s'était bloquée toute seule, c'est pas grave. Snow, ça va aller. Tu vas aller, tu vas te sentir mieux. Je vais mettre un purificateur histoire que l'oxygène sale ici ne viennent pas polluer la base. Bon, avouez, ça a de la gueule. Avouez, ça a de la gueule. Je sais pas si ça va marcher, mais ça a de la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Niveau pont, voilà, il va me falloir des gas pipes. Normalement, ça devrait le faire. Ce geyser est en train de produire une masse de gaz et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. On a de l'eau pure ici. Tout à fait normal. Crée-moi 7 dalles avant que tout ce bordel parte un peu n'importe comment. C'est un peu bordélique mon installation, mais ça va marcher. Je suis confiant.
cette zone uniquement pour le CO2. Pour le moment, je vais mettre une échelle qui descend. Histoire de pouvoir construire tout. Je peux pas prioriser un petit peu tout ce bordel? Hop! On réglera les systèmes de priorité une fois que ce sera fini. La masse, une fois de plus, t'endormir ici, c'est pas une super bonne idée. Pourquoi vous êtes bloqué? Pourquoi vous pensez que vous êtes bloqué? Vous pensez que vous êtes bloqué parce que vous l'êtes. Ces deux-là doivent être à 9 et ça à 5. Si vous pouvez arrêter de manger ou quoi que ce soit. Ers, va ici. Arrête de faire ça. Normalement, on a un générateur pour ça. Allez vite construire le sol histoire que vos potes arrêtent pas, attrapent pas une maladie ou ne meurent pas. Ce serait super sympa de votre part. Bon, parfois, ils ont quelques petits soucis à comprendre tout ça. Mais ça va aller. Ça va aller, il n'y a pas de soucis. Bon, ici, c'est fini. Ici, c'est fini. Donc, on va pouvoir fermer ça. On va pouvoir fermer ça. J'ai boosté les priorités parce que c'était important. Je vais juste faire cela. Le 9, c'est pas grave. Ça va prendre 30 secondes. Il préfère faire une priorité 5 qu'une priorité 9. Parfait. Maintenant, c'est enfermé. C'est complètement enfermé ici. J'ai de l'argile ici. De l'algue. Ok. Bon. Je vais devoir rouvrir cette zone pour récupérer ces choses. Mais c'est pas grave. Tout ceci n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour tout ça. Je peux pas annuler ça? Ah non, il y a un bouton annuler balayage. Ah non, c'est parce que j'étais pas sur tout. Ma faute. Je veux qu'ils ramassent toutes les ressources qu'ils ont. Et je vais devoir ouvrir ce truc, une fois de plus, parce qu'ils n'ont pas ramassé ce qui était dans le fond. Pour le moment, on va rester ça comme ça. De toute façon, c'est pas trop grave. Au pire, il va descendre là-dedans. Je mettrai un système de filtre de gaz, histoire d'être tranquille. Production d'oxygène insuffisante. C'est un fait, on n'a plus assez d'oxygène maintenant. C'est un fait, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc je suis tenté de commencer à faire l'électrolyseur. Problème de l'électrolyseur, c'est qu'il consomme de l'eau et produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Sauf qu'il consomme de l'eau et on peut pas vraiment consommer de l'eau en ce moment. C'est pas que je veux pas, c'est qu'on peut pas trop. On va aller chercher cette eau ici. S'ils peuvent pas, je vais faire traverser des échelles comme ça. L'eau qu'on prend pour la douche, on en sort autant qu'on en gagne. Donc c'est autant qu'on en prend. Donc c'est pas grave. Mais pour tout ce qui est... J'aime pas notre situation pour l'eau. J'aime pas notre situation pour l'eau, c'est dit. Tout ça va être ramassé bientôt. En fait, je voudrais même prioriser ramassage 9 ici. Je veux surtout que ça se soit ramassé au plus vite. Pour pouvoir fermer le... Attends, je vais tout annuler ici. Et ramasser 9 ici.
Normalement, c'est comme ça que ça marche. Normalement. Après, on sait tous que rien ne se passe comme on veut. C'est une priorité 9 pour le ramassage. Normalement, ça devrait être. Une fois qu'ils auront ramassé tout ici, je pourrais refaire le mur. Mais pour le moment, je peux pas. Joue à, alors, à la fin, quand ça sera bien en pression, je supprimerai une dalle ici pour laisser sortir l'oxygène pollué. Parce que si je pompe de l'oxygène pollué là-dedans, une fois de plus, ça va casser. Ça va casser. Bon, c'est en train de se mettre en place. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo !